Je vous remercie d'abord. Le match de demain, je pense que nous avons eu une période de préparation réellement à Tunis. Et ça nous a permis, c'est pas seulement le match qu'on va jouer demain, et par rapport à. Je pense qu'on s'est préparé par rapport à la compétition. Et voilà, et ça commence demain. Je pense c'est vrai que on a eu la chance de faire 3 matchs, Nico, mais c'est carrément différent des matchs officiels. Voilà, on s'est bien préparé quand même par rapport à ce match-là. Makane, can you tell us how you and your teammates are looking forward to the first game for you in this group? C'est bien déroulé. Mentalement, on est vraiment bien pour aborder ce match. Et on espère faire un résultat demain. Okay, we will start with the questions. Please raise your hand. Yes, sir. A mic here, please. With the gentleman. Yeah, from the other side. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Kamel Mehouin, Nahar TV. Coach, vous êtes le vice-champion de la dernière édition de l'Echan. Quel est votre objectif dans cette compétition? Vous savez, quand vous participez à une compétition aussi importante, je pense que l'objectif, c'est quand même Oui, je disais que quand vous participez à une compétition aussi importante, l'objectif c'est quand même de faire un bon résultat. C'est vrai, la dernière compétition au Cameroun, on a été vice-champion. Mais ce n'est pas la même équipe. Hein. Il y a énormément de joueurs qui sont partis. Il fallait reconstruire encore une équipe. Il y a quelques-uns qui sont restés. Je pense que par rapport à tout ce que nous avons réalisé ces derniers temps, ça donne de l'espoir, quoi. Moi, je pense qu'on est, on est là quand même pour faire quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Et nous avons comme ambition réellement d'aller le plus loin possible, quoi. Merci, coach. Oui, monsieur. قدوري محمد الأمين من مؤسسة العمومية للتلفزيون ألا يرى أن المدرب دائما في المنتخبات المحلية تعاني من تغيير في التعداد مشكل ترجمة دائما المنتخبات المحلية في إفريقيا تعاني من دائما تغييرات في التعداد نظرا لاحتراف جل اللاعبين الأفارقة في أوروبا أو دوريات أخرى ألا يرى المدرب أن هذا دائما ما يخلق مشاكل للمنتخبات المحلية La tradition c'est les soucis, hein. Ça passe pas, je n'entends pas.